Notre nouvelle pièce GMT de Global Force, c'est une toute nouvelle construction de mouvement et c'est une pièce de premier coup d'œil. Ça dégage le volume et la tridimensionnalité du globe terrestre. Nous avons un saphir latéral sous le boîtier. Ça donne une possibilité de regarder l'équateur que nous avons représenté avec un anneau en saphir. Et cet anneau en saphir a la double vocation, mais il divise l'équateur, les deux hémisphères nord et sud. Et en même temps, ça permet, en regardant de face la pièce, de voir les indications jour et nuit et d'avoir déjà les notions des 24 heures solaires qui sont visibles autour de Terre. Face arrière, nous avons la 10 des villes, 24 fuseaux qui sont bien définis sous un disque rotatif. Ici, nous avons un prototype statique, donc il y a quelques différences par rapport aux premières pièces qu'on peut bientôt sortir. Il y a quelques éléments de détail que nous avons entre réalisation de cet prototype esthétique que nous avons effectué pour améliorer peut-être la lecture, la lisibilité ou les indications sur cet égard de temps.